Alors les pieds 10h10, puis parallèles. Vérifiez bien la position de vos pieds. On lève doucement les bras, gardez les épaules en bas. On va aller vers l'arrière. Imaginez une orange entre le menton et la poitrine. Elle ne peut pas tomber. Ne relâchez pas la nuque. Dans les mouvements de bras, gardez toujours les épaules vers le bas. Omoplate dans poche arrière du pantalon et on descend en dos plat. On remonte toujours le dos bien plat. On redescend à l'horizontale et tout doucement, de bras dans le plan horizontal, bras parallèles devant. On soutient le dos, solide le dos. Mouvement inverse, on va raccrocher les mains. Toujours la tête dans le prolongement du dos, on remonte. Attention de toujours bien garder votre tête dans le prolongement de votre dos. On descend plus bas. Et on relâche. Déverrouillez les genoux. Petite oscillation. La tête est lourde. On place les mains au sol et on va sortir la jambe droite. Attention, un dos bien plat. Tirez le talon droit vers le sol et les oreilles vers l'avant. Et on commence notre première salutation au soleil. La main gauche passe de l'autre côté du pied. Bien vérifier que le genou pousse vers les orteils et lever le bras. Attention, le genou doit toujours être au-dessus des orteils. On met la main à la cheville et on fait la pyramide. On remonte. On replace les pieds. Attention, toujours votre genou au-dessus des orteils et on étire le côté. Allongez ce côté. Et on revient en position au sol. Tirez bien le talon vers le sol. Allongez-vous. Le genou. On va vers l'arrière. Main dans le dos. Et rotation du pied. En dehors. En dedans. Plusieurs fois d'affilée. On part vers l'avant en dos plat. Si c'est difficile pour vous, n'hésitez pas à mettre les mains de chaque côté de la jambe. Tirez bien les orteils vers vous. Et on remonte. On se place en position de l'enfant. Attention, le dos bien plat et la tête dans le prolongement du dos. On met les fessiers sur les talons. Les mains sont collées au sol, comme s'il y avait de la colle entre les mains et le sol. On prend une grande inspiration. Et on tire vers l'arrière. Allongez votre dos. Allongez. Refaites l'opération plusieurs fois. Inspirez et allongez en soufflant. On place les coudes au niveau des genoux, les paumes vers le plafond. Même principe, le dos bien plat. La tête dans le prolongement du dos, on inspire
et on va souffler en poussant les coudes dans les genoux. Et on allonge le dos, on allonge, on allonge, on allonge. Et on refait plusieurs fois l'opération. Inspirez et poussez les coudes dans les genoux. On se replace en position de l'enfant, on creule les orteils, on inspire. Et on se place en chien tête en bas, en soufflant. Allongez votre dos. Étirez ce dos. Revient en position de l'enfant. On se met sur le bout des doigts. On va inspirer et en soufflant, on fait un dos rond comme un chat qui n'est pas content. Et on va mettre les fessiers sur les talons. Avec le bout du nez, on pousse une petite bille sur le sol. Et quand on arrive entre les mains, on remonte. Inspirez, soufflez, contractez, fessiers sur les talons, on ne bouge plus les genoux, on pousse la petite bille sur le sol avec le bout de son nez, on ne bouge pas les genoux, on continue et on fait chien tête en haut. Attention, on va se placer en planche, la tête bien dans le prolongement du dos. On contracte les fessiers, on contracte les abdominaux. On tend la jambe droite parallèle au sol et le bras gauche. Équilibre. Bras droit et jambe gauche. Position de l'enfant. Reviens en arrière. Une main au sol, l'autre main, le front sur les mains et petite phase de repos. Relâchez bien tous les muscles. Profitez de ce moment de détente. On se déroule, attention, du bas du dos vers la tête. Vraiment la tête en dernier. On sort une jambe et on se relève. À nouveau, vérifiez vos pieds bien parallèles et on repart. On refait les mêmes exercices. On va vers l'arrière. On remonte. En mouvement de bras, dos plat et on descend. Le plus bas qu'on peut et on relâche les mains. Accrochez les mains au coude, on oscille. Les mains au sol et on sort la jambe gauche. À nouveau, vérifiez bien votre talon vers le sol et les oreilles vers l'avant. Et nous sommes prêts pour repartir avec une salutation au soleil. On change les mains de place,
place le pied du fond bien parallèle, le coude dans le genou et on lève le bras gauche. On va attraper avec la main droite la cheville, on tend les deux jambes et on fait la pyramide. Les jambes se lient et on remonte. Attention, on étire, gardez le genou au-dessus des orteils. On étire le côté. Vous inspirez et on souffle dans l'étirement. On se replace au sol. On dépose le genou et on tend la jambe avant. Même exercice que tout à l'heure. Tournez le pied de la position en dedans à la position en dehors. Tirez bien les orteils vers vous. Inspiration, soufflez, descendez de plat. Et on tire, on tire, on tire, on tire. Attention, tout le dessus du corps doit descendre comme une planche à partir des genoux. Vraiment une planche à partir des genoux et jusque la tête. Contractez les fessiers. Contractez les abdominaux. On va bloquer ce mouvement et on va rester. Serrez les abdos. Petite phase de repos. Place bien plante de pied contre plante de pied, le dos bien plat, vous inspirez et puis vous poussez très 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 fort les pieds l'un contre l'autre et ensuite vous relâchez les genoux vers le sol. Poussez, contractez et relâchez les genoux vers le sol sans à-coups. Poussez, contractez et relâchez. On tend les jambes, pieds flex. Nous allons travailler le bout du pied. On tend les pieds sans les orteils, puis les orteils. Recrollez les orteils et le pied flex. Bout de pied, orteil, orteil et flex. D'un coup et on revient. On descend et on remonte. On se met en dehors et un pied à la fois, on fait le même exercice. Coup de pied, orteil, orteil, coup de pied. Bien dissocier le coup de pied et les orteils. Coup de pied, orteil, orteil, coup de pied. Et d'un coup, allez bien jusqu'aux orteils tendus. Une petite rotation de la cheville. Et la même chose de l'autre côté. On se grandit. Gardez des épaules et de plat vers l'avant. On souffle, on étire. Les pieds bien flex, le nez sur les genoux.
la tête en dernier. On passe une jambe au-dessus de l'autre et on croise. Tournez votre dos. La jambe gauche est au-dessus de la jambe droite. On va changer. Jambe droite au-dessus de jambe gauche. Et on va tourner le dos. Une belle rotation. Attention, nous allons travailler nos planches sur les coudes et le reste du corps forme une belle planche avec le sol. On pousse. Il est dur celui-là. Serrez les abdos, serrez les fessiers. Même exercice mais sur bras tendus. À nouveau, on fait la planche. Ne relâchez pas la nuque. Jambes croisées, allongez bien la colonne. On va étirer l'oreille droite vers le plafond, bien verticalement. On étire et en maintenant l'étirement, on entame une rotation pour regarder vers le haut et puis vers le bas. Toujours tirer l'oreille vers le plafond. Sentez l'étirement qui se déplace dans votre cou. Gauche, plafond. On étire bien. Et on entame la rotation. Toujours garder l'oreille vers le plafond pendant toute la rotation. Relâche la nuque et le dessus du dos et 360 degrés. Relâchez bien tout. Dans un sens et puis dans l'autre. On s'étire, allongez le dos, gardez des épaules. Le côté. Attention, gardez les deux fesses dans le sol. Il ne faut pas qu'une fesse se décolle. Allongez-vous. Dos plat, les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Vers l'avant, on passe l'autre en dessous et on étire sur le côté. Même mouvement avec l'autre bras. Derrière la tête et on étire. Même mouvement de l'autre côté. Étirement de la main, on tend le bras et la main est dirigée vers le bas. Même chose de l'autre côté. Essaye de mettre le pouce au niveau du poignet. Et même chose de l'autre côté. Pouce-poignet.
rotation du poignet dans un sens et puis dans l'autre. Grande inspiration. Et on va rentrer dans sa coquille. D'abord la tête, puis les épaules, les omoplates. Et on essaie de faire une petite boule la plus proche possible de son corps. Bassin vers le haut et déposez-le 10 cm d'un côté. Les genoux basculent. La jambe gauche longe la jambe droite, se place au genou et puis continue si c'est possible le talon dans la main. Vous devez regarder de l'autre côté de votre jambe. Les deux omoplates bien dans le sol, nous sommes en torsion. Et on refait le mouvement inverse. Soulevez le bassin. On le dépose 10 cm sur le côté. Les jambes vont naturellement tomber. On regarde l'autre côté. La jambe droite longe la jambe gauche et on va mettre le pied droit dans la main gauche. Regardez bien dans le sens inverse de votre jambe. Et on revient. On replace le bassin. On met les mains sur le ventre. On gonfle le ventre. Et on contracte en soufflant. Regardez bien, le ventre doit faire une petite boule. Et puis on contracte en serrant les muscles du ventre. Le dos doit être bien sur le sol. Et on plie la jambe droite sur le ventre. On pousse cette jambe dans le ventre. On passe les mains sous le genou. Et on essaie de tendre la jambe tout en tirant le genou vers soi. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche bien appuyée dans le ventre. Soufflez bien. On place les mains sous le genou. Et tout en poussant le genou vers son ventre, on tend la jambe. Croise la jambe droite sur la jambe gauche. Avec les deux mains, on attrape le genou gauche et on tire vers soi. Étirement de la fesse droite. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche croisée sur la jambe droite. On attrape le genou et on étire. Les deux genoux, on inspire et quand on souffle, on pousse les genoux dans le ventre. On relâche, on inspire et soufflez, poussez. Poussez bien les genoux, le dos bien plat, bien collé au sol. Une main sur chaque genou. Et on va faire des petites rotations de 360 degrés dans un sens et puis dans l'autre.
Attention. Bras et jambes tendus vers le plafond et on relâche. Tendu. Relâche. Tendu. Relâche. Tendu. On colle les talons et on va ouvrir les jambes. Et on ouvre les jambes tendues. Pointe de pied. Flex les pieds. Pointe. Flex. Pointe. Flex. Pointe. Flex. Et on revient. Pliez les jambes. Et redéposez doucement sur le sol. Pousse bien le bassin. Et on va tendre la jambe droite. Les deux genoux sont au même niveau. Décollez bien votre bassin du sol. Serrez les abdos et les fessiers. Et on redescend. À nouveau, on fait la planche. On tend la jambe gauche. Avec les deux genoux au même niveau. Ne collez pas vos jambes, hein, il faut de l'air entre les deux jambes. Et on redescend. On se met en position fœtale. Bien les mains sur le sol. Et on se replace. Assis. On écarte les jambes. Attention, grandissez-vous. Un beau dos plat et des pointes de pied bien tendues. On allonge. Gardez des épaules. Et on va étirer sur la jambe droite. Laissez vos deux fesses dans le sol. Et on déroule. On se grandit. On va sur la jambe gauche. On souffle bien, on s'étire. Les deux fesses dans le sol. Tirez bien. Et on déroule. On avance entre les jambes le plus loin possible. On souffle et on s'étire. Essayez de ne pas faire d'à-coups. Soufflez, étirez-vous, allongez-vous. Et on revient doucement. Et on va relâcher sur les coudes en allant de droite à gauche et puis de gauche à droite. Relâchez bien tout, la tête, tout le corps. Et on change de côté. Ferme les jambes. On se place en position de l'enfant. On se met sur les avant-bras. Et on est reparti en planche. Attention, ne pas trop soulever les fessiers. Une vraie planche. Contractez les abdos et les fessiers. Place. On sort une jambe et on remonte. On se replace. 10h10. Parallèle les pieds. Grand mouvement de bras. Gardez des épaules. Et je vous remercie pour ce moment
que nous avons partagé ensemble. Au plaisir de vous revoir lors de nos séances, tous ensemble dans la salle.